Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis avec Sylvain. Alors Sylvain, ça dit quoi? Ça va mon pote, ça va. Ah, il est costaud ou pas? Ah, pas autant que toi. Non, t'es costaud quand même. Un petit peu. Bon, j'espère que vous allez bien les gars depuis cette depuis la dernière vidéo. Hein. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si c'est déjà fait, mais n'hésite pas à t'abonner. T'as vu que je te ramène du lourd. Là, Sylvain, c'est du très très lourd. Quand il va se présenter, tu vas avoir mal à la tête. Je te préviens. Tu vas même rager dans les commentaires. Dire ouais, c'est pas vrai, c'est du mytho. Bon, alors, Sylvain, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien? Très bien. Bon, au top. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Raconte ton histoire, ton parcours. À quel moment tu as eu ce déclic pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui dans ta vie? Alors, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. Ok. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. Pourquoi? Parce que j'ai une adolescence un petit peu particulière. Mmh. Un petit peu particulière. Je suis parti à l'âge de 13 ans de chez moi. Ok, ouais. J'étais sportif de haut niveau. Je voyais ma famille très rarement, 15 jours à l'année. Et à 18 ans, j'ai échoué sportivement. Ok. J'ai échoué sportivement, sauf que j'étais malheureux pendant une phase de mon adolescence. J'étais malheureux et donc je me suis dit à 18 ans, Sylvain, tu dois prendre le contrôle de ta vie. Quoi. Ouais. Tu dois prendre le contrôle de ta vie, prendre la responsabilité des événements, en tout cas de la perception que tu as des événements. Donc j'ai décidé d'être entrepreneur avant même de commencer à étudier ce que j'allais donner. Tu vois. Mais c'est quoi qui t'a fait ce déclic-là comme ça? C'est cette envie de être entrepreneur, c'est décider. Décider de ta life. C'est exactement ça. L'envie de décider de ma vie. Ok, d'accord. Alors, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc du coup, à 18 ans, j'étais auto-entrepreneur. J'ai fait toutes les erreurs, toutes les bêtises que tu peux faire quand tu n'es pas formé. Quoi. Donc, ouais. Donc, de 18 à 20 ans, j'ai beaucoup galéré. J'étais coach sportif personnel, mais je ne gagnais pas très bien ma vie. Quoi. Je travaillais tôt le matin, tard le soir. Au milieu de 9h à 18h, j'étais en cours. Ouais. J'étais à la fac à côté. Et en fait, j'étais coach sportif personnel, je voulais déjà aider les gens, aider les sportifs à s'améliorer parce que moi, en tant que sportif, moi-même, j'avais pas réussi à franchir le cap physiquement pour signer professionnel. Okay. Donc ça a duré pendant 2 ans, de 18 à 20 ans. Et si tu veux, ça m'a permis 2 choses, ça m'a permis déjà d'expérimenter le terrain, tu vois. Ça m'a permis d'expérimenter l'entrepreneuriat. Puisque j'étais auto-entrepreneur, j'avais rien. Tu vois, je faisais des cours de coaching sans matériel, etc. Et je savais pas vendre, etc. Donc j'ai fait toutes les erreurs que peut faire un entrepreneur. Donc pas de système de prospection, pas de système de vente, un service de merde. Tu vois. Donc c'est si tu veux, je faisais plein d'erreurs. Et ensuite, à l'âge de 20 ans, on m'a demandé d'enseigner. Et j'ai commencé à enseigner, à faire des conférences à 20 ans. Et là. Je sentais que ça m'animait encore plus. Ça m'animait encore plus et j'ai franchi un cap dans mes compétences. Et donc là, je me suis dit, je dois créer un club de coaching. D'accord. Dans tes compétences au niveau technique, en termes de coach, en termes de coach sportif et aussi par rapport à ma situation personnelle. J'ai dans mon environnement des personnes qui ont souffert de problèmes cardio-respiratoires. Et je me suis dit, je ne dois plus aider que les sportifs de haut niveau, mais je dois aider beaucoup plus de monde. Okay. Donc, j'ai créé un club de coaching qui est à Saint-Etienne et qui s'appelle BRC Coaching Performance. Ok, d'accord. Ça te dérange de parler de tes chiffres ou pas? De combien tu factures? Ouais, non, justement, je peux. Ouais. Aucun souci. Ok, super. Et donc, à partir du moment où tu as créé ta salle de sport, comment tu as fait pour avoir ce résultat de ouf? Parce que… Ouais. Si tu veux, aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est qu'une salle de sport… c'est entre 30 euros et 60 euros. Ouais. D'accord. Mais sauf qu'une salle de sport, j'ai fait une étude sociologique. Tu me connais, je suis un éternel étudiant, rationnel, etc. Cerveau gauche. J'ai fait une étude sociologique où je me suis rendu compte d'une chose. J'ai analysé plus de 20 centres de remise en forme et 90% des gens qui s'inscrivent dans une salle de sport, ils n'y vont plus au bout de 2 mois. Donc 90% des gens. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, 90% des gens sont prêts à donner environ 50 euros par mois. Ouais. D'accord. Mais sauf que le premier mois, c'est un investissement. Ouais. Puisqu'ils y vont. Ouais, voilà. Ok. Deuxième mois, c'est un investissement. Ouais. Et ensuite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ils continuent de payer, mais ils y vont jamais. Ouais, c'est ça le truc. Ok. Donc, je me suis dit aujourd'hui, il y a quand même 90% de la population
Il faut savoir qu'il y a 6 millions de Français qui vont dans des salles de sport. Ah, je pensais pas autant. Il y en a 6 millions, donc si tu veux, tu as 5 millions de Français qui donnent de l'argent comme ça, quoi. Et je me suis dit, tu dois aider ces personnes-là, puisqu'il y a des personnes qui ont eu ces ambitions, puisqu'elles sont allées dans une salle de sport. Bah ouais. Mais au final, la salle n'avait pas répondu à ses attentes. Donc j'ai créé mon club de coaching. Donc on fait que du coaching privé haut de gamme. D'accord. Et combien tu prices alors ? Voilà. Donc j'ai commencé à pricer par rapport à mon histoire. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, il n'y a pas de bon ou de mauvais business model. Il y a un business model que tu dois incarner. Et si tu veux, un jour, ma maman qui gagne pas des masses, qui gagne bien sa vie mais pas des masses, elle m'a dit là, tu fais des coachings privés, individuels, à 50, 60 euros de l'heure, mais je pourrais jamais te donner 400 euros. Par contre, j'ai besoin de toi. Et je lui ai dit, écoute, maman, combien tu serais prêt à investir? Et elle m'a dit 97 euros, 100 euros par mois, au taux de 100 euros par mois. D'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, j'ai tout le modèle économique de mon club, c'était de faire du coaching privé en small group. D'accord. Autour de 100 euros par mois. Donc, ensuite, les gens sont prêts peut-être à investir 2 billets de 50 euros et avoir du résultat. Voilà. Donc ça, c'était les débuts et ensuite, voilà, on est monté sur… J'apportais tellement de valeur aux gens, on m'a demandé de créer des formules encore avec plus de valeur. Donc aujourd'hui, j'ai une formule à 12 000 euros. Quoi. Donc je suis 12 000 euros. C'est ça. Voilà. Ah, ils vont réagir dans les commentaires, ils vont dire c'est pas possible. Voilà. Je suis taper un BRC Coaching Performance. Je suis le seul club, il y a 6 000 clubs en France et je suis le seul club à vendre du 12 000 euros parce qu'on apporte une valeur exceptionnelle derrière. Voilà, c'est ça, parce que c'est important, les gars. Ok, il price 12 000 euros, mais c'est parce que derrière, il donne un résultat, un accompagnement qui est ouf, quoi. Qui est peut-être 10 fois la valeur du coaching. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois, on en a déjà discuté pendant ces jours ici. Ouais. Il y a 3 ingénieurs de performance sportive dans le milieu du coaching en France. Bah, les 3, ils sont dans mon club. Quoi. Tu vois, donc, donc, en termes de valeur, ça place… ça passe à barre bien haute. C'est ça. Donc, comme quoi, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est juste qu'en fait, tu n'as pas solutionné le besoin de quelqu'un là. Et l'avantage de ta façon de fonctionner, parce qu'en fait, pour faire de l'argent, en gros, c'est où tu vends pas cher. Donc, du coup, ce n'est pas un argument, en fait, de ne pas vendre pas cher, parce que tu vas être en concurrence avec tout le monde et ça va être la misère. Il vaut mieux se placer sur du vraiment tarif super élevé et avoir des gens qui ne sont pas chiants et qui payent en plus. Si tu veux, aujourd'hui, j'analyse moi beaucoup les business. Ouais. Et aujourd'hui, soit tu fais du low cost, mais vraiment du low cost, ouais, et t'exploses, ou soit tu es aussi sur un marché un peu plus haut de gamme. Quoi. Okay. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, tu fais plus de chiffres. Tu penses qu'on fait plus de chiffres en étant low cost ou en étant sur un tarif élevé? Je pense qu'il n'y a pas de vérité. D'accord. Il n'y a pas de vérité. Je suis persuadé d'une chose, c'est qu'en tout cas, il faut être en accord avec son business model. Ouais. La personne qui… Si tu veux, aujourd'hui, moi, une personne qui veut accéder à une salle de sport, pas faire de cours, juste accéder et qui cherche peut-être pas de résultats, je lui dis, moi je connais une centaine de dirigeants de clubs de fitness, je leur donne des numéros de certains de mes confrères, ce sont mes amis, on fait des choses qui sont différentes. Si tu veux, aujourd'hui, c'est pas je suis meilleur que lui, c'est que c'est différent. Le low cost, par exemple, Basic Fit, tout le monde connaît ça en France. Et ils sont, je sais pas, à 20, 25 euros par mois. C'est un service qui est différent. Ils réussissent très très bien. Okay. Moi, j'apporte un service qui est différent, mais à 12 000. Okay. Donc, il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse sur le business model. Il faut juste que tu sois en accord avec toi-même. Ouais. Si tu fais du low cost, il faut être en accord à vouloir impacter beaucoup de monde. Mais par contre, avec du low cost, tu ne vas pas pouvoir apporter énormément de valeur. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, super. Voilà. Est-ce que tu pourrais donner, par exemple, 3 conseils aux personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que là, c'est une chaîne d'entrepreneuriat, les gars veulent se lancer. Ouais. Est-ce que tu pourrais les aider là-dessus? Le premier conseil que je dirais, c'est être entrepreneur, c'est décider. Si tu veux, aujourd'hui, moi, j'ai commencé à 18 ans. J'avais pas d'argent. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Puisque de mes 3 ans à 18 ans, c'était que le football. J'avais pas de diplôme. Parce qu'à 18 ans, j'ai eu le bac, ric-rac. J'ai juste décidé de passer à l'action, de faire une première action. Okay. Et aujourd'hui, quand tu commences dans l'entrepreneuriat, tu as des statuts, par exemple, d'auto-entrepreneurs. Mm-hmm. Et ça te prend 10 minutes sur Internet. Tu veux être entrepreneur, ça te prend 10 minutes, par exemple, sur Internet. Ouais. Donc toi, si là, dans cette vidéo, on a des personnes qui souhaitent être entrepreneurs,
il faut pas se raconter l'histoire, c'est trop difficile, il faut remplir des papiers, etc. Ça, c'est des bullshit, comme voilà, on dit. C'est une histoire qu'on se raconte, c'est de la merde. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est simplement, simplement se dire, bah, je décide de faire une action et de commencer. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est avoir confiance. Et troisième conseil, c'est, ok, tu veux être entrepreneur, mais qu'est-ce que tu veux mettre sur la table? Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens, quoi? Et tu sais, toi, tu me connais, j'ai une vision très binaire. Il y a le monde, ses besoins, ses problèmes. Et si tu veux être entrepreneur, c'est que tu veux impacter un de ces problèmes-là. Ouais, c'est ça. Et souvent, les gens, ils courent après l'argent, alors qu'ils devraient courir après les besoins des gens, en fait. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça l'erreur que souvent on fait. En tout cas, merci, mec. T'as donné du lourd, là, frère. Ouais, merci. Franchement, ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu sur la chaîne. Ouais, pas de souci. Vraiment une histoire inspirante. Et c'est pour ça aussi que je fais des interviews, c'est pouvoir partager des histoires inspirantes, différentes personnes, pour que vous puissiez voir que voilà, c'est possible. Il est comme toi et moi, d'accord, et il va aux toilettes, hein. T'as compris ce que je veux dire. Donc franchement, n'hésite pas à passer à l'action aussi, ok? Laisse-moi un petit commentaire si jamais t'as bien apprécié l'histoire de Sylvain. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, mets-moi un j'aime, ok? Si tu veux créer ton business en ligne, j'ai fait une formation, tu cliques sur le lien juste en dessous, il y a énormément de valeur, tu cliques, tu verras, c'est une formation offerte, c'est gratuit. Après ça, tu pourras monter ton business en ligne. C'est pas l'encyclopédie, d'accord, du business en ligne, mais tu auras suffisamment pour pouvoir passer à l'action. Donc d'ici là, les gars, prenez soin de vous et on reste déterminés.